Hey, yo yo yo! Salut les turfeuses! Salut les turfeurs! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin! Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Ok, place au pronostic du quintet du dimanche 3 novembre, direction Auteuil pour le prix CNews, prix Kuntschomberg. Et 3600 mètres, 16 partants, réunion 1, course 5. Le proverbe du jour, à l'œuvre, on connaît l'artisan. Ok, on commence avec le numéro 1, non partant. Le numéro 2, Eragon. Apparemment, cette course n'est pas un objectif et il a encore besoin de courir avant d'être au top. Même si sur un malentendu, il pourrait quand même gratter une petite cinquième place, parce qu'on a déjà vu dans le passé des entraîneurs, ils disent comme ça, ouais, mon cheval il est pas prêt, nanana. Après il arrive, il est carrément dans le quarté ou je sais pas quoi là. Donc bon voilà, la façon qu'il a parlé de son cheval, ça donne l'impression que vraiment il n'est pas prêt et que soi-disant on pourrait le rayer. Mais je sais pas pourquoi, mais non, on va quand même s'en méfier, donc à la rigueur dans un champ réduit, pourquoi pas, parce que ça serait pas la première fois que ça arrive ce genre de truc là. Ouais, il est pas prêt, c'est ça. Enfin bref, le numéro 3, Boonwell. Il effectue une rentrée pas revue depuis le mois d'avril 2018, lui par contre, je l'écarte. Le numéro 4, Foreign Floor. Il est tombé lors de sa rentrée. On a quelques doutes légitimes à le voir se réhabiliter à l'occasion de ce gros quintet. Le numéro 5, Ultra Net. Ce cheval n'en fait qu'à sa tête. Il ne répète pas ses bonnes sorties, mais il apprécie les pistes lourdes. Et comme d'habitude, avec lui, ce sera tout ou rien. Le numéro 6, My Mage. Lui aussi n'est vraiment pas un modèle de régularité. Jugez par vous-même, en 5 courses, une seule fois à l'arrivée. Il vient de terminer 3e, mais il court à seulement 15 jours d'intervalle, quitte ou double. Le numéro 7, Take Two. Il est dans une forme olympique. Il a remporté ses 2 dernières courses. Bon, certes, c'était au niveau réclamé. Mais vu sa grande forme, c'est un joli coup de poker à tenter. Le numéro 8, Razik. Il enchaîne les échecs, il collectionne les défaites. Et il a montré ses limites à ce niveau. Tocard. Le numéro 9, Bénézil. Elle a déjà gagné au niveau groupe 2. Elle est en forme et en plein dans sa catégorie, c'est oui! Le numéro 10, Anuma Freedom. Il monte de catégorie tout en subissant une pénalisation pondérale. Clairement, sa tâche se complique. Mais attention, une place en bout de combinaison reste dans ses cordes. Le numéro 11, Coyote Pie. Ce cheval a pour habitude de bien courir sur sa fraîcheur. Donc, pour sa rentrée, il ne faudra surtout pas le sous-estimer. Le numéro 12, Yellowfield. Il adore le terrain lourd défoncé. Il est archi régulier. Son entourage est archi chaud. Tout est réuni pour un énorme oui. Le numéro 13, Blue Wave. Le niveau est relevé pour cet habitué des réclamés. En revanche, il apprécie les pistes lourdes et il est en forme. Avec un bon parcours, enfin même un parcours en or, hein, il tentera d'accrocher une petite place. Le numéro 14, Credo des Obos. Il n'a plus à faire ses preuves à ce niveau. Il donne toujours son maximum en course et il apprécie les pistes lourdes. Il va défendre chèrement ses chances ce dimanche, mais c'est plus pour les places que l'on l'envisagera. Le numéro 15, Candos. Il vient d'échouer dans un réclamé et difficile de le voir se réhabiliter à l'occasion de cette listed race, tâche délicate. Le numéro 16, My Boy, il reste sur 2 échecs et on a besoin qu'il nous rassure. Mais il va tenter de profiter de son petit poids pour casser un maximum de tickets. Petite méfiance. Le pronostic, ça donne 12, 9, 11, 14, 7, 6, 10, 16. Cheval de complément le 2, si jamais un autre nous partant et ça peut arriver, le 5. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics. Tous les jours, les jeux d'argent sont dangereux à consommer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi! Ciao!